Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc ça fait un bon moment que je ne fais pas de vidéo. Alors aujourd'hui, je suis un peu libre. Alors je vais vous faire cette vidéo là pour que ceux qui sont vraiment intéressés puissent au moins postuler. Voilà, comme vous voyez là, ça c'est une bourse interne, c'est-à-dire c'est une bourse de l'université Memorial, vous comprenez. Voilà, donc directement, vous savez déjà que c'est une bourse du Canada. Voilà, donc ceux qui veulent postuler, ça sera une bonne opportunité pour vous de postuler. Parce que il n'y a pas grand chose à faire ici. Vous avez juste le temps de vous inscrire en ce qui concerne l'admission. Vous cherchez juste une admission et ils vont vous évaluer directement par rapport à votre dossier, par rapport à la qualité de votre dossier et tout ça, comme pour la bourse de Montréal, vous comprenez. C'est-à-dire vous postulez seulement à l'admission et par la suite c'est eux qui vont décider à vous dire ok, vous avez eu l'admission et en même temps vous avez eu la bourse accompagnée de l'admission. Alors ce que vous devez faire, vous devez juste vous inscrire, vous devez juste postuler à leur admission. Donc nous on va essayer de voir d'abord le programme qui existe et puis on va essayer de voir ce que prend cette bourse là en charge. Donc ici, si je viens dans Become a Student, ici, quand je clique là, par exemple, comme ça, je vais voir un peu, ici, ils ont leur interface un peu très tranquille. Donc si je viens ici, vous allez voir ici, Scholarship Graduate, c'est-à-dire Scholarship pour les Masters et Doctorat, et Scholarship pour les Undergraduates. Ça, c'est Scholarship pour, par exemple, comme ça, ceux qui veulent faire la licence. Maintenant, ceux qui ne veulent pas postuler à ces deux bourses-là et qui veulent étudier là-bas, à leurs propres moyens, ça aussi, voici la scolarité. Parce que je vous dis encore, ici la scolarité n'est pas assez chère. Je peux vous montrer un peu ici, tuition and fee undergraduate, c'est-à-dire la scolarité pour la licence, par exemple, pour ceux qui ne vont pas, je vais cliquer là, pour ceux par exemple comme ça qui ne veulent pas s'emmerder avec les histoires de bourse. Voilà, vous pouvez venir là, vous allez voir que ici c'est pas assez cher. Voilà, donc vous pouvez chercher à postuler et chercher aussi à pouvoir y étudier. Voilà, donc ici nous, ce qui nous intéresse de toute façon, nous sommes des étudiants étrangers et nous n'avons pas assez de moyens, quelle que soit la scolarité qui se trouve ici. Donc nous, on va essayer de faire quoi, de trouver une bourse pour pouvoir postuler. Donc ici il y a deux variables. Moi je vais considérer que je viens pour la licence, alors je vais considérer pour ce qui est la undergraduate. Je vais aller voir rapidement les éléments de undergraduate et puis voilà, on va essayer aussi de la postuler. Sinon, vous pouvez commencer directement ici et chercher à postuler dans cette université. Mais d'abord, je vais vous montrer que prend en charge la scolarité et puis comment postuler. Donc ici, je clique sur scolarité, on est gradué. Ok, ça m'envoie là. Et de là, on a les critères, je vais mettre en français. Comme ça, on va tous se retrouver. Voilà. Donc, ici, les critères de bourse pour les étudiants premier cycle du nouveau cycle retour ont été révisés pour l'année TAP. Si vous avez des questions, il existe de nouveau, de nombreux. Ça ne nous intéresse pas. Ici, les demandes ne sont nécessaires que lorsque cela est indiqué dans la description. Ok, donc, si nous on regarde ici par exemple, je veux par exemple faire la médecine, mais je vais faire par exemple les sciences appliquées. J'ai une licence appliquée, je peux cliquer sur ça. Voilà, et je vais voir en quoi est-ce que cette bourse consiste. Ici, on a quoi? On a plusieurs types de bourses. Voilà ces bourses qui sont là, qui sont juste alignées là. Voilà. Donc, si vous lisez, vous allez voir les conditions de ces bourses là. Et puis aussi, nous, ce qui nous intéresse, c'est très simple. Il y a plusieurs bourses ici, comme vous voyez là, il y a plusieurs bourses. Ce qui nous intéresse, on va choisir pour les étudiants étrangers. Donc, international student ici. Voilà. Et voici pour nous les étudiants étrangers. Et je vais cliquer sur étudiant international entrance scholarship, c'est à dire les bourses d'entrée, c'est à dire cette bourse d'entrée là, c'est une bourse qui vous aide à adhérer à leur université. Donc je clique là et je vérifie quelles sont ces conditions là. Donc voici ces bourses là qui sont là, je vais mettre en français. Ici on dit lors de l'admission, l'université Memorial offre aux étudiants internationaux la possibilité de recevoir des bourses et des prix. Comme le financement le permet, vous serez automatiquement considéré. Pas une garantie de recevoir, vous avez bien vu, vous n'avez pas une garantie de recevoir. Voilà, mais vous serez considéré.
considéré automatiquement pour une bourse d'entrée si vous répondez aux critères d'admissibilité. Cela signifie qu'aucune application supplémentaire n'est nécessaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez juste postuler pour l'admission et c'est à eux maintenant de vous dire si vous avez eu la bourse ou pas. Donc ça sera à eux de décider. Donc voici toutes les bourses qui sont là. Ça c'est toutes les bourses. Ils vont vous considérer pour toutes ces bourses là. Ils vont vérifier pour chaque bourse si vous avez les critères pour chaque bourse et ils vont vous créditer pour vous dire que vous avez eu la bourse. Les étudiants seront informés s'ils réussissent à recevoir une bourse. Vous comprenez? Voilà, donc ce que nous allons faire, le plus important c'est quoi? C'est pour faire l'admission, je veux dire lors de l'admission. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire l'admission pour pouvoir être considéré pour une bourse ou pas. Donc ici, je viens dans... Donc je vais me retenir un peu pour aller voir mon application, pour aller appliquer. Voilà. Donc ici par exemple comme ça, si je viens ici sur application, ceux qui font le master aussi ils peuvent cliquer là, comprenez, voilà, ce n'est pas un souci. Donc ceux qui font la licence, vous pouvez cliquer là, cliquer ici, et puis vous allez maintenant commencer à vous inscrire. Donc ici on dit quoi? On dit choisir le programme, le premier élément, choisir le programme, le second élément, réviser la date limite de ce programme là, voilà, et ici voir les éléments que demande ce programme, voilà, et vous, si vous êtes d'accord, vous allez pouvoir postuler un peu plus simple. Maintenant nous, ce qu'on va faire, et je vous rappelle en même temps, je voulais vous rappeler pour ceux qui n'aiment pas ça, et je voulais vous rappeler en même temps, ok, et ça que vous n'aimez pas ça, mais vous serez obligé, pour ceux qui veulent vraiment étudier, comme je dis toujours, si vous êtes vraiment, vous tenez vraiment à cœur ces éléments là, vous devez vous organiser à pouvoir les payer. Ici pour les étudiants canadiens, les frais d'admission c'est 60 $, voilà, et pour nous les étudiants internationaux c'est 120 $, voilà. Donc si vous êtes prêt à pouvoir payer, ici c'est pour ceux qui font la médecine dans les plus grands temps, la médecine, la musique, vous voyez, il y a musique, il y a médecine et tout ça. Donc comme je l'ai dit, ceux qui veulent vraiment postuler, voilà, vous pouvez vous organiser et puis voilà, essayer de postuler. Donc ici, dans un premier temps, pour pouvoir postuler, vous allez cliquer sur Apply ici, voilà, et vous allez vous retrouver sur les plateformes ici. Arrivé là, comme vous n'avez pas de compte, vous allez d'abord créer un compte ici avec Create Account ici. Vous allez d'abord créer un compte et lorsque vous allez finir de créer le compte, comme je viens là, par exemple, je clique sur Create Account. Voilà, vous allez remplir tous les éléments qui sont là. Voilà, et lorsque vous finissez maintenant, vous revenez là. Lorsque vous finissez de remplir, vous revenez maintenant ici pour venir mettre vos données et cliquez sur sign pour pouvoir entrer pour aller postuler. Je m'appelle là, je vais faire une vidéo tout à l'heure pour pouvoir vous expliquer comment ça se passe. Mais ceux qui veulent postuler vraiment, vous pouvez me faire signe et puis voilà, je peux vous aider à le faire. Ok, donc les gars, c'était moi, ça m'a plus tard et puis. Vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe.